Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous revoir. Aujourd'hui, on va lire une jolie histoire. Ah oui, vous cherchez Monsieur Rat? Bon, elle est partie un petit peu, faire un petit tour. On avait très très besoin. Il en avait vraiment vraiment envie. Alors, Mu va revenir bientôt, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va lire un livre qui s'appelle Chiro, le petit chat blanc. Chiro, le petit chat blanc. Maman chat vient d'avoir des chatons. Trois petits chats tout noirs et un petit chat tout blanc. Ils tètent goulûment, le lait de leur maman et grandissent très très vite. Un jour, Chiro, le petit chat blanc, s'aperçoit qu'il n'est pas comme les autres. Mes frères et ma mère sont tous un magnifique pelage noir. Pas moi. Pourquoi? Chiro se roule dans la boue et il se frotte, frotte, frotte pour faire tomber ses poils blancs. Seulement sa maman le lèche soigneusement pour le laver et Chiro redevient tout blanc. Un jour, maman chat dit à ses quatre chatons: aujourd'hui, votre papa rentre à la maison. Il faut que vous soyez tout propre et tout beau. Les petits chats noirs sont très excités. Chiro, lui, se sent triste et honteux. Il part de la maison. Mais que voit Chiro en chemin? Un grand chat tout blanc, comme lui. Tout heureux, Chiro suit le grand chat blanc. Mes enfants, votre papa est de retour, dit maman chatte. Les chatons accourent pour dire bonjour à leur papa. Papa regarda fierté tous ces trois petits chats tout noirs. Ils sont tous là, demande-t-il.
Non, répond maman chatte, il y a aussi Chiro. Approche, Chiro. Papa regarda avec fierté Chiro, un petit chat tout blanc. Mais le plus fier et le plus content de tous, c'est Chiro. Regardez cette belle famille. Bien. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette histoire vous a beaucoup plu. J'essaierai de vous en raconter d'autres bientôt. Au revoir et à bientôt.